Comment maîtriser l'art du copier-coller sans enfreindre la loi pour votre business en ligne? Dans le monde du marketing et de la rédaction, l'originalité est la clé du succès. Cependant, il est parfois tentant de recourir au copier-coller pour gagner du temps. Alors, comment pouvons-nous allier efficacité et légalité dans cet art délicat de la reproduction textuelle? Voici 5 conseils pour utiliser la meilleure façon de faire de copier-coller en conservant votre propre originalité. Premier conseil, comprendre les limites de la propriété intellectuelle. Avant de vous plonger dans le copier-coller, il est essentiel de comprendre les limites de la propriété intellectuelle. Certaines informations et idées sont considérées comme des connaissances générales et peuvent être utilisées sans enfreindre les droits d'auteur. Assurez-vous que le contenu que vous copiez n'est pas protégé par des droits d'auteur ou d'autres formes de propriété intellectuelle. Conseil 2. La technique de la paraphrase. La paraphrase est l'art de reformuler un texte en conservant son sens original. En pratiquant la paraphrase, vous pouvez utiliser des informations existantes tout en les présentant sous un angle nouveau. Cela nécessite une compréhension approfondie du sujet, vous obligeant à exprimer les idées d'une manière qui vous est propre. Ainsi, la paraphrase devient un moyen légal de s'approprier du contenu tout en préservant votre originalité. Conseil 3. Créer des synthèses engageantes. Une autre approche astucieuse consiste à créer des synthèses engageantes. Plutôt que de copier-coller un paragraphe entier, identifiez les points clés et créez une synthèse qui conserve l'essentiel tout en ajoutant votre propre touche. Cette méthode garantit que le lecteur obtient les informations nécessaires de manière concise et intéressante. Conseil 4. Citer et référencer correctement. Si vous utilisez des données spécifiques ou des citations, assurez-vous de les citer correctement. Le respect des règles de citation montre votre engagement envers l'éthique et la transparence. En indiquant clairement vos sources, vous évitez les conflits juridiques tout en donnant crédit à ceux qui ont contribué aux idées que vous utilisez. Conseil 5. Utilisez des outils de référencement. L'utilisation d'outils de référencement peut être votre meilleur allié dans la recherche de contenus similaires. Ces outils vous aident à identifier les sources originales et à comprendre comment d'autres rédacteurs ont abordé le sujet. En vous inspirant de ces approches, vous pouvez créer votre propre contenu tout en restant dans les limites légales. Pour conclure, le copier-coller peut être une pratique risquée, mais en comprenant les nuances de la propriété intellectuelle et en adoptant des techniques créatives, vous pouvez naviguer dans ces eaux tout en préservant votre intégrité. La paraphrase, la création de synthèses engageantes, la citation correcte et l'utilisation d'outils de référencement sont autant d'armes dans votre arsenal pour maîtriser l'art délicat du copier-coller sans enfreindre la loi. En cultivant votre originalité au sein de ces cadres légaux, vous êtes prêt à élever votre jeu de rédaction à de nouveaux sommets. C'est ce que vous allez apprendre dans cette méthode inédite de copier, coller pour générer des revenus complémentaires. Comme de nombreux internautes, découvrez ce nouvel Eldorado d'Internet. Commencez dès aujourd'hui ce business clé en main accessible à tous. Vous pouvez générer des revenus complémentaires sur Internet avec ce nouvel Eldorado des produits numériques. Cette technique que vous pouvez faire de chez vous, sans connaissances particulières, sans technique compliquée, avec un simple PC ou même votre smartphone. Cliquez pour en savoir plus.